Moi, le monde d'après, si vous voulez, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'il soit le plus proche possible du monde d'avant. Je caricature ma propre position pour vous faire rire. Mais si vous voulez, il ne faut pas oublier ce que le monde d'avant nous a apporté quand même. C'est-à-dire que cette mondialisation financière odieuse qu'on nous décrit comme étant le restant de la colère de Dieu, c'est le cas de le dire, en réalité, enfin, heureusement qu'il y a eu le partage international du travail. L'enrichissement qu'on a connu depuis 250 ans, nos aïeux n'auraient même pas pu l'imaginer. En un peu plus de 200 ans, la longévité est passée en France de 38 ans, c'est facile à retenir, il suffit d'inverser les chiffres, de 38 ans à 83 ans. Enfin, tout ça, c'est pas le fait du hasard. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu spontanément, j'y insiste, parce qu'on croit toujours qu'il faut qu'il y ait des gars qui tirent des ficelles pour qu'on obtienne un résultat. C'est ce que nous raconte Adam Smith, c'est ce que nous raconte Mandeville. En grande partie, ce phénomène est spontané, mais le génie humain mobilisé au service de l'entrepreneuriat et des échanges internationaux nous a permis quelque chose qui est quand même formidable. Alors, qu'on soit pas heureux au motif qu'on soit plus riche et qu'on vive plus vieux, moi je l'entends, mais ça s'appelle la condition humaine. Vous dites qu'il y a deux pièges à éviter. Il y a un, la décroissance. Oui, c'est-à-dire qui est finalement... d'ailleurs, vous citez Nicolas Bouzou, il a raison, et vous dites que c'est une idéologie bourgeoise gens qui peuvent se permettre finalement de consommer un peu moins. Quand vous faites vos confinements au Cap Ferret ou à l'île de Ré, vous trouvez ça charmant de retourner au bio, à la terre et de décroître. Si vous êtes quelqu'un qui compte sur son travail, sur son engagement, sur son enthousiasme pour s'arracher à ses déterminismes de naissance, je vous garantis que la croissance, vous la trouvez bienvenue. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. La croissance, ce n'est pas seulement une problématique économique. C'est quand vous voyez ce qui s'est passé d'un point de vue social dans les années, pour faire simple, les 30 Glorieuses, qui sont l'incarnation de l'hypercroissance, hein, qu'on peut contester ex post, mais qui avait quand même énormément d'avantages, au moins sous cet angle. Vous avez vu un nombre de familles qui se sont arrachées au dénuement, puis à la pauvreté, puis même à la classe moyenne, et qui sont montées dans l'échelle sociale grâce à la croissance. La croissance, ça bat les cartes, ça donne des opportunités. Donc quand vous voyez des gens qui, au nom des pauvres et au nom de leurs idées sociales vous disent qu'il faut plus de croissance, je pense qu'ils ont tout simplement les yeux fermés. C'est absurde. Vous avez une citation géniale d'Émile Faguet. Ah oui. Le socialisme, c'est la lutte contre la lutte pour la vie. C'est ça. En gros, c'est reposez-vous, contentez-vous de peu et allez en paix. Parce que vous avez les gens qui ont dit, mais regardez, le confinement, c'est formidable. Finalement, on va à l'essentiel. Est-ce que tout ce mouvement, toute cette agitation sont bien nécessaires? La réponse est non. Le problème, c'est qu'on n'a pas c'est pas possible d'être entre les deux. Soit vous avez le frottement des cervelles qui est nécessaire pour la créativité et qui ne va pas sans la proximité des corps et quelque chose qui est un peu énervant, cette espèce de bouillonnement, de sentiment qu'on n'est pas bien sûr du lendemain, qui est la vie. Soit vous avez quelque chose qui s'arrête complètement, mais vous vous arrêtez là où vous êtes, c'est-à-dire vous mangez des figues et comme le dit Faguet, des croutons frottés d'ail. Alors.